Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Ou jan mon konnen ou gen problème. Et puis ke ou content comme ça? Ah, m'pa kache di ou. Depuis m commencé li bib mwen chaque jour, m senti charge problème mwen yo sorti sou dom. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter yon bib, dégager au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio vision d'espoir. Oh, moi t'attendais yon annonce comme ça, oui. Mais qui ça se a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télé Vision d'Espoir. Chaque jour, de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi, 5h30, 6h de l'après-midi, samedi, 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Madeleine Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus, amen. Deux Rois, chapitre 23. Destruction de l'idolâtrie par Josias. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Le roi ordonna à Hilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux, et il les brûla hors de Jérusalem dans les champs de Cédron et en fit porter la poussière à Bethel. Il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux zodiaques et à toute l'armée des cieux. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière, et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda, il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums, depuis Geba jusqu'à Beersheba, et il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi souilla Topheth de la vallée des fils de Hinnom,
afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, près de la chambre de l'énuque Netanmélec, qui demeurait dans le faubourg où il brûla au feu les chars du soleil. Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz et que les rois de Juda avaient fait, et les autels qu'avait fait Manassé dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de Perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, l'abomination des Sidoriens, à Kemosh, l'abomination de Moab, et à Milcon, l'abomination des fils d'Ammon. Il brisa les statues et abattit les idoles, et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient. Il renversa aussi l'autel qui était à Bethel et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébath, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière et il brûla l'idole. Josias s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres et il les brûla sur l'autel et le souilla, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Il dit, « Quel est ce monument que je vois ?» Les gens de la ville lui répondirent, « C'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Bethel ces choses que tu as accomplies. » Et il dit, « Laissez-le, que personne ne remue ses eaux. » On conserva ainsi ses eaux, et les eaux du prophète qui était venu de Samarie. Josias fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie et qu'avaient faites les rois d'Israël pour irriter l'Éternel. Il fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Bethel. Il immola sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là et il y brûla des ossements d'hommes. Puis, il retourna à Jérusalem. Célébration de la Pâque. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et les téraphins et les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le sacrificateur Ilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère dont il était enflammé contre Juda à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. Et l'Éternel dit, « J'ôterai aussi Juda de devant ma face, comme j'ai ôté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. » Le reste des actions de Josias et tout ce qu'il a fait,
Cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? De son temps, Pharaon Nécho, roi d'Égypte, monta contre le roi d'Assyrie vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre et Pharaon le tua à Megiddo dès qu'il le vit. Ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char, ils l'amenèrent à Megiddo à Jérusalem et ils l'enterrèrent dans son sépulcre. Et le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, ils l'ognirent et le firent roi à la place de son père. Joachaz, Josachim, Josachin, roi de Juda. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Pharaon Nécho l'enchaîna à Riba, dans le pays de Hamath, pour qu'il ne régnât plus à Jérusalem. Et il mit sur le pays une contribution de 100 talents d'argent et 1 talent d'or. Et Pharaon Nécho établit roi Éliakim, fils de Josias, à la place de Josias, son père. Et il changea son nom en celui de Josachim. Il prit Joachaz, qui alla en Égypte, et il mourut. Il prit Joachaz, qui alla en Égypte, et y mourut. Josachim donna à Pharaon l'argent et l'or, mais il taxa le pays pour fournir cet argent. D'après l'ordre de Pharaon, il détermina la part de chacun et exigea du peuple du pays l'argent et l'or qu'il devait livrer à Pharaon Nécho. Josachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zébuda, fille de Péjada. Sa mère s'appelait Zébuda, fille de Pédaja de Ruma. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Roi Jean, adresse et salutation, éloge de Gaius, l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens.
Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Plainte contre Diotrephe. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Éloge de Démétrius. Salutations. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.